Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul vintage, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. J'ai vendu pas mal de vêtements à Juliette sur le site et résultat des courses, j'ai utilisé la cagnotte que j'avais pour lui recommander de nouveaux vêtements. Comme ça, pas besoin d'aller dans les magasins sauf peut-être pour un ou deux trucs. Mais le principal est d'occasion et je suis très fière de moi parce que j'étais pas certaine de réussir à le faire et à tenir de ce que j'avais dit. Donc je suis très contente, donc c'est parti. Alors vous verrez ce haul en, je pense, deux parties, c'est-à-dire que j'ai déjà reçu une première partie de mes commandes là, donc du coup avant de mettre le linge à laver, je vais vous faire la vidéo parce qu'autrement je risque d'oublier, donc c'est pour ça que j'ai déjà ces vêtements là, et ensuite j'ai deux autres commandes qui doivent arriver, mais elles devraient arriver normalement le même jour, parce qu'elles ont été envoyées le même jour, donc vraiment ça devrait aller. Contrairement à la dernière fois, je suis super contente pour la première commande que j'ai reçue. Je suis tombée sur une vendeuse au top. Et du coup, voilà, elle est très sérieuse au niveau des envois, c'est top. Les descriptions de ses vêtements correspondent exactement à l'état des vêtements. Donc on est parti, je vous montre tout ce que j'ai pris. Alors du coup, sur cette commande-là, j'ai pris 6 articles. J'en ai eu pour 11€. Dedans, il y en a un qui est comme neuf, hein, qui est neuf sans étiquette. Les autres ont déjà été portés, mais en sont en très bon état. Sauf un, mais c'était indiqué dans l'annonce comme quoi avait été beaucoup porté, mais reste quand même portable encore une fois, et je vous le montre tout de suite. Donc il s'agit de ce petit haut tunique un peu de la marque Pampolina. Je vois beaucoup de vêtements avec cette marque là passer, je sais pas d'où elle provient, mais en tout cas ils font des super jolies choses. Donc c'est une petite tunique comme ça avec un petit nœud dans le dos. Je l'ai essayé, elle va super bien à Juliette. Les vêtements, j'ai tout pris en 8 ans hein, parce que bah on est clairement sur une taille 8 ans maintenant. Et voilà, donc vous voyez, les petits motifs sont super jolis et tout, j'aime beaucoup. Donc elle est un peu, on voit qu'elle a été beaucoup lavée, mais elle est encore largement bien pour pouvoir la porter cet été avec un petit short, c'est trop canon. Je vous mettrai ici les prix que j'ai eu, auxquels j'ai eu les articles. Ensuite j'ai craqué, alors il est un peu grand, mais j'ai craqué à la dernière minute sur ce petit débardeur Idéfix. Donc normalement cet été on a prévu d'aller au parc Astérix, parce qu'en fait on a les billets pour le parc Astérix depuis un an et demi. Voilà, vous savez très bien pourquoi nous ne sommes pas allés hein. Et du coup bah, je me suis dit que ça serait un petit clin d'œil sympa à porter un débardeur comme ça. Alors malheureusement il est un petit peu grand, mais je pense qu'avec un petit t-shirt blanc en dessous ça peut être sympa. On n'a pas encore essayé avec quelque chose en dessous, mais voilà, mais il est un peu grand, c'est à dire qu'il descend quand même assez bas sur le devant. Après peut-être faire des petits nœuds sur les bretelles, ça peut aussi être très joli, donc je verrai ça. Mais voilà, donc ça c'est pareil, c'était le petit craquage. Et ensuite ce qui m'a fait arriver sur la chaîne de cette dame, c'est parce que dans mes recherches Vinted, j'avais marqué état neuf avec ou sans étiquette. Voilà, c'est ce que vous m'aviez recommandé et tout. Et elle vendait ce pantacourt là en toile assez légère du magasin Z. Maintenant c'est Z Génération je crois. Moi je connais juste Z à l'époque où j'étais gamine. Et il est neuf hein, on voit clairement qu'il n'a pas été lavé au niveau de l'étiquette et tout. On voit qu'il n'a pas été porté, donc il est déjà réglé à la taille de Juliette parce que je lui ai essayé. Voilà, donc il est très joli, l'espèce de bleu mint, j'aime beaucoup ce genre de couleur pour l'été. Donc il a un petit bouton à la taille comme ça, avec la petite fermeture éclair. Il a des élastiques de serrage à la taille. De toute façon tous les vêtements que je lui ai pris, ils ont des élastiques de serrage bah parce que bah, elle est très fine, ou alors une petite cordelette devant, voilà. Et voilà, donc il a des petites poches derrière et il lui va juste super bien. Et comme je vous ai dit, il est dans une matière très légère, très agréable à porter. Je regarde ce que c'est du coton, 98%, et un petit peu d'élastane dedans. Mais voilà, donc je le trouve très beau, c'est des couleurs qui lui vont très bien, et ça pour l'été, c'est top. Ensuite, un autre que j'ai pris du coup sur son site, donc celui-là il est pas comme neuf, mais il était en très bon état. Et je confirme, c'est celui-ci. C'est un petit pantacourt aussi, et il a des petites fleurs dessus, voilà, comme ça. Et il en a aussi ici. Voilà, mais en tout cas je le trouve très joli, c'est pareil, il est très, vous voyez, très souple. Lui il n'a pas de réglage à la taille, mais il a la petite cordelette qui permet de resserrer sur le devant. Il va très bien à Juliette aussi, et voilà, donc ça va être nickel pour cet été, vraiment. Donc ça elle va être très très bien pour les vacances.
Et ensuite il y a celui-ci, alors celui-ci il est un peu long, mais c'est pas grave parce que je vais le remonter en bas. C'est, alors il est très serré, on l'a vachement resserré parce qu'il monte assez haut en fait à la taille. Mais voilà, il est comme ça. C'est un pantacourt de la marque Inextenso, donc c'est Auchan. Celui-ci aussi je crois qu'il est neuf, il me semble. Au niveau des étiquettes, on voit qu'il a pas été... Il a peut-être été lavé une ou deux fois, mais clairement il est dans un état impeccable. Voilà, donc c'est pareil, il y a les boutons de serrage hein, derrière, nous on l'a resserré. Il a un petit dessin, enfin un petit patch au niveau des fesses, et enfin sur le haut des fesses, il monte assez haut, vous voyez. Et du coup, il est, si on lui laisse sans plier en bas, ça lui fait un pantalon, hein, clairement. Et quand on le replie, ça lui fait un pantacourt, donc ce qui est bien, c'est qu'elle peut le porter comme elle en a envie. Donc voilà, c'est vrai qu'il est sympa, donc vous voyez, je lui avais replié une jambe pour voir. Et il est super sympathique, et je pense qu'il est idéalement à porter avec un t-shirt à l'intérieur. Parce que vous voyez, il a cette espèce de petit, ce petit V là, je sais pas si vous le verrez bien, voilà. Et il est sympa, il a des petits détails sur les poches là, et du coup voilà le petit truc qui est à l'arrière, et ça c'est un Auchan aussi en 8 ans. Et le dernier vêtement que j'ai pris, c'est une petite robe qui vient de chez H&M, et comme je vais jamais à H&M, du coup je suis contente d'avoir trouvé ça. Elle est comme ceci, donc c'est vraiment la petite robe d'été, vous voyez, comme ça. Clairement elle est assez longue, elle lui va bien, hein, elle lui descend... pas jusqu'en bas, elle est un petit peu au-dessus des chevilles je crois, enfin, peut-être un peu plus courte. Elle la mettra peut-être deux étés, je sais pas, on verra suivant la vitesse à laquelle elle grandit. Donc elle est très fleurie, hein, voilà, c'est tout. Juliette la trouve très jolie, elle m'a dit qu'elle était magnifique. Elle a une petite dentelle sur le haut, voilà, et du coup vous voyez H&M. Et elle est en très très bon état, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de taches. On voit qu'elle a été portée par rapport à l'étiquette et tout, mais clairement elle n'a pas été portée beaucoup. Hein. Donc franchement voilà, c'est vraiment, cette vendeuse est vraiment top. Et comme je vous dis, au niveau de l'envoi, c'est impeccable, c'était très bien emballé. Donc voilà, donc je dis quand je suis pas contente, mais je dis aussi quand je suis très contente. Et voilà, mais j'aime beaucoup ces petits motifs là, ça fait vraiment très été. Ça... à porter juste ça quand il fait très chaud, elle va être super à l'aise dedans. Je vois, il y a des fleurs, mais il y a aussi des espèces de papillons. On dirait un papillon là, je sais pas, mais voilà. Donc du coup pour l'instant c'est la première commande, et du coup bah, je vous retrouve dans quelques secondes pour vous et dans quelques jours pour moi, pour vous montrer les deux autres commandes que j'ai pris. Dedans il y aura des shorts et aussi un petit blouson en jean, et j'ai vraiment hâte de le recevoir. Alors on se retrouve quelques jours plus tard par rapport à cette première partie, parce que j'ai reçu la suite de mes commandes. Donc là il y a deux commandes Vinted, je les ai ouvertes, et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Pour la deuxième commande, j'ai pris ce petit short là, donc c'est du Kiabi il me semble, la dame avait marqué, je crois, je sais plus, il n'y a plus la petite étiquette derrière, mais voilà, donc c'est un petit short en 8 ans avec des petits pois. Je sais que Juliette elle l'avait déjà eu en 4 ans je crois, ça me dit quelque chose, un petit short comme ça, ça me dit quelque chose. Donc il est resserrable à la taille, et voilà, donc franchement il est trop mignon, j'ai hâte qu'elle puisse le mettre et tout cet été, donc ça va être cool. Ensuite j'ai également pris à cette même personne ce petit pantacourt que je trouve trop chou, pareil avec des petits, c'est pas des petits points, c'est des petits cœurs, c'est des tout petits cœurs. J'ai juste peur qu'il soit un petit peu grand, celui-ci c'est du H&M je crois. Oui c'est ça, j'ai peur que ce soit un peu grand là, donc au pire je verrai pour lui réduire un petit peu. Mais autrement il est en super bon état, on voit qu'il a été porté, mais alors clairement pas beaucoup. Je suis même pas sûre qu'il ait été porté. Il est un petit peu resserré en bas, et il est très léger, et du coup j'adore. Il a des petites poches on dirait, ouais, il a des petites poches devant, voilà, il a une petite poche derrière sur les fesses. Et voilà, donc ça je suis très très contente. Et toujours sur cette même commande, en fait ce qui m'a fait passer commande chez cette dame, c'est qu'elle vendait une petite veste en jean, et que Juliette m'avait demandé une veste en jean. Et voilà, donc j'en cherchais une sur Vinted, et j'ai trouvé celle-ci. J'aime beaucoup la couleur, je la trouve très jolie, et elle est en très très bon état. Alors elle a des petits endroits où elle est râpée, mais on le voyait déjà sur la photo. Mais je me demande si ça fait pas partie de la veste, parce que vous voyez, elle est râpée un petit peu ici, elle est râpée là, elle est râpée en haut. Je pense que ça fait partie de la veste, parce qu'elle est vraiment en très très bon état. C'est une Kiabi aussi. C'est du 8 ans toujours. De toute façon, j'ai pris que du 8 ans. Hein. Et franchement, elle est trop belle. Donc voilà, j'ai hâte que Juliette elle la voie. Je crois que je l'ai eu à 3 euros, je crois.
De toute façon, je vous affiche les prix, hein, comme d'habitude. Mais honnêtement, voilà, elle était pas chère du tout. C'est des petits boutons, mais ils sont faciles à mettre. Donc du coup, elle devrait pas avoir de difficulté pour la mettre. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir que je la lave très vite. Parce qu'elle va vouloir la mettre à l'école très très vite. Et je soupçonne qu'elle me demande une petite peinture décorative dessus, comme j'ai fait sur ma veste. Parce qu'elle m'avait demandé une veste en jean, justement, pour que je lui fasse un petit dessin dessus. Donc je verrai avec elle ce qu'elle va vouloir. Donc ça, c'est sur cette deuxième commande. Et sur la dernière... Donc, ce qui m'a fait arriver sur le compte de cette personne, c'est ce pantalon-là. Alors, je suis pas très rose, mais Juliette aime beaucoup le rose. Donc, du coup, bah, je fais un pas sur mon... le fait que je n'aime pas le rose, ça lui fait plaisir. Donc, j'ai pris ce pantacourt-là. Alors, il m'a l'air d'être assez long. Ça va plus être un pantalon. On verra par rapport à la longueur de ses jambes. Il est en matière... Vous entendez? C'est pas vraiment kawaii, mais c'est une espèce de matière un peu... je sais pas comment vous dire... Je sais pas, ça fait un peu les leggings de marin un peu, vous savez, les matières qui sont légèrement imperméables mais qui restent du tissu. Donc il y a un petit, une petite cordelette, voilà, une petite ceinture. Et il y a des petits dessins qui sont juste trop mignons. Donc il y a une petite poche ici, il y a deux poches en haut, il y a une poche, vous voyez, ça fait un peu short pantacourt d'aventurier. Et il y a des petits boutons en bas sur les deux jambes. Et il y a un petit message, il y a marqué Miss Wave, bah, Waves en anglais, je crois que c'est vague. Donc ça fait un petit peu, ouais, pantalon de bateau et tout ça. Mais il est vraiment super sympa. Donc voilà. Donc j'ai pris celui-ci. De toute façon, je crois que tous les articles de cette commande-là, je crois que je les ai eu à 1€ pièce. Il me semble que j'ai payé 6€ cette commande sans compter les frais de port. Il me semble que c'est ça. Ensuite, bah du coup, j'ai fait un tour sur le profil et j'ai pris ce petit pantacourt comme ça. Trop choupinou. Hyper léger. Quelle question légèreté, on peut pas demander mieux. On voit qu'il a été porté, mais il reste en très bon état. Il est très élastique à la taille. Et il a des petits dessins en bas que j'ai trouvé très jolis. Voilà, et Juliette, le rouge lui va très très bien. Donc bah du coup là, c'est rare de trouver des pantalons rouges, j'ai vraiment du mal. Donc ouais, je trouve ça, elle va être trop bien dedans pour cet été ou quand il va faire chaud et tout, et qu'il faut qu'elle ait les jambes quand même un petit peu couvertes, elle va être super bien là-dedans. Ensuite, un autre pantacourt que j'ai pris chez cette dame, voilà. Hop, celui-ci. Donc il est un peu dans la même lignée que le rose. C'est-à-dire qu'il est un peu, c'est un peu un mode aventurier. Vous avez des petites poches là, ici, devant, derrière. Voilà, il est réglable aussi à la taille. La marque c'est... Ouh, c'est un jacadi, j'avais même pas vu. Donc ouais, c'est un pantacourt jacadi. Donc jacadi c'est quand même une très très bonne marque. Et voilà, donc il est un petit peu resserré en bas. Et on voit qu'il a été porté, mais il est en très bon état encore. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de tache. Donc ça c'est génial. Et pour le prix que je l'ai payé, clairement, je ne regrette absolument pas. Voilà, ça lui fera... je sais qu'au niveau pantacourt, elle va voir ce qu'il faut. Sachant qu'elle en a qui sont quand même très longs et très serré à la taille, qui lui feront peut-être même l'année prochaine, on verra bien. L'avantage du pantacourt, c'est si c'est un petit peu plus court, c'est pas très très grave. Ensuite, je lui ai pris également deux shorts sur sa boutique. Donc j'ai pris celui-ci. Alors il y avait marqué Disney dans la description. Donc c'est bien marqué Disney dedans, hein. C'est un Disney princesse. Voilà, donc il devait peut-être y avoir un haut qui allait avec. Moi je m'en fiche, hein. Mais voilà, c'est un petit short gris comme ça. Voilà, avec des petites poches. Le petit short super sympa à porter quand il fait chaud, une matière un peu un peu jogging, un peu voilà, c'est vraiment le petit short pour traîner ou pour jouer dans le jardin, ça c'est cool quand il fait très chaud. Donc voilà, celui-là il est beau. Et alors l'autre short, j'ai eu un gros coup de cœur et je suis pas déçue quand je l'ai vu, c'est celui-ci, je le trouve trop canon, j'adore. Alors par contre il y a juste la petite truc là, il y a un nœud, bon ça doit pouvoir se défaire je pense. Oui, voilà, ça se défait tout seul. Normalement, on fait un espèce de... C'est pour faire joli, hein. On fait une espèce de boucle. Mais voilà, donc c'est un short à carreaux noir et blanc, qui est très élastique en plus à la taille, donc il va lui aller à la perfection, avec des petites poches ici, des fausses poches derrière, donc vous avez juste les rabattants, mais il n'y a pas de poche et tout. Et j'adore. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore ce genre de short. Je trouve ça génial. Et ouais, j'ai hâte de l'avoir avec. Il a un espèce de petit revers en bas. Il est un peu plié en bas et ouais, et c'est pareil, il est en très bon état aussi. On voit qu'il a été porté, mais clairement, je suis en train de regarder s'il y a une étiquette pour essayer de vous donner une marque, mais je ne vois pas d'étiquette. Si j'en ai une là, mais j'ai pas de,
J'ai pas de marque dessus, j'ai juste la taille. La marque, elle a dû être enlevée. C'est souvent comme ça en général, hein, quand on a des enfants, la plupart du temps, les étiquettes qui sont dans le dos, quand c'est des pantalons ou des shorts qui vont directement toucher la peau, qu'il n'y a pas de maillot, ça gratte. Donc du coup, moi, c'est pareil, je fais sauter les étiquettes des vêtements de Juliette. Mais voilà, je le trouve génial, je l'adore. Et le dernier, alors on n'est pas du tout de saison, clairement, mais je l'ai vu dessus et j'ai eu un coup de cœur. Je vous le montre dans le bon sens. Déjà, je regarde la marque. J'ai pas de marque non plus, mais c'est pas grave. Bon, c'est un pull, donc c'est un col roulé, comme ça. Hop, déjà la couleur est très belle, très douce. Donc voilà, c'est un col roulé. Et il finit comme ça en bas, en espèce de V, avec des petites franges. Et je le trouve très joli. Et voilà, j'ai très bien vu Juliette dedans pour cet hiver. Je pense que ça peut être super sympa. Donc voilà, du coup j'ai craqué, je lui ai pris et ouais, et c'est tout. Donc il est en bon état, on voit qu'il a été porté. Il y a des endroits où il y a des petits un peu de laine, des petits morceaux de laine qui sont un peu tirés et tout, comme sur les pulls tout le temps. Mais voilà, je pourrais pas vous dire d'où ça vient, mais en tout cas je l'aime bien. J'aime bien les couleurs, je le trouve très joli. Voilà, il est vraiment super joli. Donc je sais que j'avais montré tous les vêtements que j'avais pris à Juliette, je lui avais montré en photo et tout, et elle était trop contente, tout lui avait plu et tout. Donc à chaque fois elle me disait, maman c'est quand que mes vêtements ils arrivent, maman c'est quand. Donc du coup là je vais tous les jeter dans le bac à linge, je vais les laver et comme ça elle les aura rapidement. Mais en tout cas je suis très très contente. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la première que j'avais fait, j'avais été déçue parce que j'avais pas forcément eu des vêtements dans l'état où ils étaient mentionnés sur l'annonce. J'en avais eu un avec une grosse tache que j'ai pas réussi à avoir, un autre avec un trou au genou que j'avais payé plus cher que ces pantalons là qui sont eux en très bon état et pas troués. Alors pour ceux qui avaient vu la vidéo, c'était le petit pantacourt rose. Donc du coup j'ai trouvé des petits papillons thermocollants que j'ai collés sur le trou. J'en ai mis plusieurs sur la jambe et ça fait très joli. Mais voilà, donc là je suis clairement pas déçue. J'ai reçu mes commandes très rapidement. Voilà, genre je pense 4-5 jours après j'avais la commande, mais les personnes les ont envoyées soit dans la journée soit le lendemain. Donc c'était très rapide. J'ai une bonne quinzaine de vêtements. Donc voilà, c'est hyper rentable. Certes, il faut y passer du temps. J'ai passé pas mal de soirées à scroller sur Vinted, à chercher, à me dire, ah ça peut-être, ah ça peut-être, ah celui-là il est pas mal, je vais mettre dans mes favoris, mais je vais voir. Enfin voilà, à me prendre du temps pour me décider. Et je regrette pas d'avoir passé ce temps-là, parce que du coup là, au niveau vêtements d'été pour Juliette, je n'en rachèterai clairement pas. Sauf coup de cœur si jamais on part en vacances et qu'on tombe sur un joli t-shirt ou une jolie veste ou quelque chose comme ça. Mais pour ce qui est vêtements pour la journée classique, que ce soit pantacourt, short, je ne rachèterai rien parce que c'est bon, j'ai rempli son armoire. Voilà, mais j'ai beaucoup de coups de cœur dans cette commande, mais cette veste en jean, j'en suis très contente. Après, voilà, il y a plein de choses vraiment qui me plaisent énormément. Et je suis contente d'avoir trouvé une veste en jean sans, vous savez, le col et tout, parce que les gamins, le col est toujours mal mis, toujours dans la veste. Là, il n'y a pas de problème, il a juste un col très simple. Et enfin, elle a juste un col très simple. Et voilà, donc j'arrête de m'extasier devant mes vêtements. Je suis très contente, je suis super, je viens de le dire, donc ça va le répéter. Je suis très satisfaite de ce que j'ai trouvé et de ce que j'ai choisi. Donc je vais continuer. Donc en gros, tous les vêtements que j'avais vendus, ça m'a rapporté de l'argent sur Vinted. J'ai tout réinvesti dans de l'occasion. Et je vous cache pas que je suis assez fière d'avoir réussi à franchir ce pas, parce que c'était pas gagné avec moi qui aime beaucoup flâner chez Kiabi et tout ça pour acheter des vêtements, parce qu'ils ont toujours des jolies choses. Mais voilà, autant prendre de l'occasion en bon état et redonner une seconde vie à des vêtements qui ont peut-être déjà servi, et pas du tout pour certains parce qu'il y en a qui sont neufs, plutôt que de racheter et de payer je dirais 2 à 3 fois plus cher, voire même peut-être plus, hein. Je dois avoir pour une centaine d'euros je pense là-dedans en état neuf, parce que genre, par exemple le pantalon Jacadi, ça coûte facilement 20 euros. Donc voilà, donc je suis contente et je ne manquerai pas de recommencer et tout, de racheter. Si vous hésitiez, franchement, n'hésitez pas, prenez votre temps pour choisir. Moi la première fois j'ai choisi très vite et j'aurais pas dû, parce que j'ai pris une personne qui avait très peu de retours. J'ai pas forcément été regarder toutes les évaluations. Là j'ai épluché les évaluations pour voir s'il y avait des problèmes et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, à mettre plein de choses en favoris. Vous avez des fois, les gens vont vous envoyer des offres et tout en vous proposant une réduction si vous prenez ça ou pas. Mais mettez en favoris, comme ça vous les retrouvez facilement.
et ensuite vous pouvez commander, vous décider. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter. Dites-moi, comme la dernière fois, si vous êtes adepte de Vinted, hein, je ne saurais toujours pas. Et surtout, si vous avez un compte, n'hésitez pas à le partager en dessous de la vidéo si vous voulez que les autres personnes puissent aller voir et faire quelques petites ventes et tout. Me concernant, j'en ai un, il est dans la barre d'infos, je vous le remets ici. C'est Mumflower Blog, tout attaché. Dessus, il y a des vêtements principalement filles, sachant que j'ai quand même acheté du mixte pour Juliette pendant une période, et il y a du tout petit à maintenant, le maximum que j'ai, je crois que c'est 6 ans. Vous avez du 3 mois, du 6, du 9, du 12, du 18, du 24, enfin vous avez toutes les tailles possibles. Vous avez quelques jouets qui restent, ainsi que des chaussures, même certaines qui n'ont quasiment jamais été portées. Donc voilà, je vous laisse aller voir si vous avez envie, et puis vous pouvez jeter un œil à mes évaluations aussi si jamais vous voulez être certain que je suis une bonne vendeuse et que je ne laisse pas traîner. Voilà, allez, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!